Bonjour, bonjour, bonjour à ma grande famille de vie à travers le monde entier. C'est ton chef. Bienvenue à mon message du mercredi de la semaine 32. Il est actuellement 3h40 du matin du mercredi. J'ai reçu des messages de l'Irlande et de Tim, et je ne sais pas pour quelque raison que ce soit que je pensais que je crois que j'étais à la nuit du lundi. J'ai reçu un peu des messages venant un peu de partout. De nombreuses personnes ont essayé de m'appeler pour savoir, mais où est mon message du mercredi? Où est mon message du mercredi? C'était pratiquement la panique. J'enregistre généralement mes messages lundi et le mardi, je l'envoie. Et il faut savoir que je vais enregistrer ce message du mercredi. Bon, je vais l'envoyer en Irlande. Et puis, on va essayer d'utiliser vraiment toutes les techniques de Kofun pour que vraiment je puisse vous transmettre vraiment ce message-là. Et les gars, soyez les bienvenus au message de la semaine 32, si c'est votre chef. Aussi, tout juste derrière moi, c'est la photo que j'ai prise avec la Tobi à New York à l'hôtel Plaza. Ce message de mercredi, je vais vous parler de le mentorat de Dato Vijay. Les gars, sachez que j'écoute beaucoup les speeches de Dato Vijay et j'écoute beaucoup, beaucoup les speeches de Dato Vijay. Les gars, le message de ce mec, je vais vous parler de quelque chose de très important, c'est le challenge. Vous savez, votre voyage pour la liberté financière, votre voyage pour ce business, ce voyage que vous avez décidé vraiment d'entamer, vous allez rencontrer vraiment beaucoup de challenges. Vous savez et je sais. Aussi, sachez que les challenges que nous rencontrons dans le network marketing sont différents des challenges de la vie de tous les jours. Vous savez, aussi pour ce voyage de la liberté financière, on doit s'armer vraiment de beaucoup de courage et prendre vraiment beaucoup de dispositions afin d'atteindre véritablement l'objectif. Vous savez, pour le voyage vers la liberté financière, peu importe le type de personne que tu es, que ce soit un entrepreneur, un jeune, un vieux, c'est pratiquement le même challenge que tous nous rencontrons. Aussi, quel que soit ton statut, si tu es de la basse classe, de la moyenne classe, de la haute classe, que ce soit riche, pauvre, modeste, c'est le même challenge que tous nous rencontrons parce que nous avons tous le même objectif qui est atteindre vraiment un objectif qui est grand, qui va nous permettre véritablement d'avoir le meilleur dans notre vie. Peu importe, comme je disais, le type de personne, même un président, peu importe le type de personne, tu vas rencontrer vraiment beaucoup de challenges si tes rêves sont grands. Les gars, imaginez votre vie avec zéro problème, zéro challenge. Au fait, les gars, c'est comme vous ne vivez pas. C'est-à-dire que soit ce qui est douleur, que soit ce qui est difficulté, que soit ce qui est challenge, et tu ne rencontres rien. Aucune difficulté, personne ne te fait de mal, rien du tout. Tu as besoin de challenge pour donner le meilleur de toi-même. Pour avoir vraiment une meilleure vie, une vie agréable, une vie qui va véritablement te permet véritablement de dire, ah, vraiment, j'ai une meilleure vie. C'est que c'est lorsque tu rencontres des challenges qui t'amènent vraiment à avoir vraiment cette qualité de vie. Les challenges existeront dans le présent, ont existé dans le passé et existent. Si tu penses que tu n'as pas vraiment rencontré des challenges, excuse-moi, c'est que tu es absolument un crétin. Tu sais, crois-moi, ce que je peux te garantir à 100%, c'est que les challenges, tu vas en rencontrer des fois même plus grands. Je suis ton chef et je te garantis, c'est même la seconde garantie même que je te promets dans la vie. Aussi, laisse-moi te dire que Dato Vijay m'avait dit un jour, Dato Vijay m'avait dit comme ça que Patman, il est totalement stupide de penser que tu ne vas pas rencontrer vraiment des difficultés, des challenges. Je me suis dit, mais pourquoi il me dit ça? Vraiment, pourquoi vraiment Dato Vijay me dit ça? Il dit, mais pourquoi il me parle mal? Pourquoi il me prédit vraiment une punition? Beaucoup de personnes pensent qu'elles ne vont pas rencontrer des challenges, qu'elles ne vont pas vivre vraiment des moments difficiles vraiment, durant leur vie.
Sachez que les challenges qui arrivent dans votre vie, vous avez zéro contrôle. Vous avez zéro contrôle, vous ne les contrôlez pas. Aussi, sachez que ces challenges-là font partie du plan de Dieu pour votre vie, font partie du plan de Dieu pour votre succès sur votre succès durant votre vie sur Terre. Et comme je le disais, vous n'avez absolument aucun contrôle sur les challenges, sur les difficultés que vraiment vous rencontrez vraiment dans votre vie. C'est des choses que vous devez savoir que c'est des choses qui sont normales, qui doivent arriver pour vous donner vraiment cette force, vraiment de toujours lutter pour atteindre vraiment l'objectif. Sur les noms que vous recevez après une présentation, vous n'avez vraiment aucun contrôle. Vous n'avez absolument aucun contrôle. Aussi, lorsque nous faisons vraiment des présentations, on prie pour que ces personnes vraiment nous disent oui. Mais il arrive des fois que ces personnes disent non et la tâche devient encore plus compliquée. Et c'est là vraiment, on parle vraiment de challenge. Excusez-moi, mais il est absolument stupide de se fâcher vraiment à ce niveau du pourquoi, non. On a absolument zéro contrôle sur ce qui va arriver. Et il est absolument, je dirais, anormal que un networker se fâche, s'énerve, soit dépressif lorsque vraiment il est face à un challenge ou il rencontre vraiment des noms. Aussi, les gars, il est absolument stupide de croire que nous avons le contrôle du ciel pour dire ah, il pleut, il pleut. Est-ce que vous me comprenez? Hey, les gars, c'est stupide de croire qu'on peut arrêter la pluie. On ne peut pas arrêter la pluie. On n'a aucun contrôle sur ce qui va venir. Hey, les gars, vous pouvez vous fâcher, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez, mais la pluie qui vient, personne ne peut arrêter. Personne ne peut arrêter. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas le max à ou c'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas vraiment à atteindre vraiment ton objectif, que tu penses que tu peux avoir vraiment un contrôle sur les challenges. Les gars, nous avons 7 jours. Les 7 jours, nous avons atteint notre objectif. Pendant ces 7 jours, tu ne vas pas prendre le temps à penser pourquoi vraiment tu reçois des noms, pourquoi vraiment tes directs ne t'écoutent pas. Tu ne vas pas prendre ton temps à savoir pourquoi est-ce que sur Google, sur les réseaux sociaux Google, sur les journaux, vraiment, on écrit des choses négatives, vraiment sur le network marketing. Pourquoi vraiment le gouvernement vraiment ne prend pas vraiment le network marketing vraiment à bras le corps? Aussi, pourquoi ma famille vraiment ne me soutient pas dans ma quête pour la liberté financière? Quand tu vas passer vraiment tout ton temps vraiment à penser à tout ça, sur les 7 jours, tu as perdu 4 jours. Tu as passé tout ton temps, excuse-moi, de manière stupide, vraiment à te plancher, à passer sur quelque chose que tu n'as aucun contrôle. Et en ce moment, il te reste seulement 3 jours. Les 3 jours, quel est le travail que tu peux faire véritablement pour atteindre un objectif? Tu sais, tu n'as aucun contrôle sur ces événements, tu n'as aucun contrôle sur la pluie vraiment qui vient. La première règle que tu dois savoir, c'est que sur tous ces éléments que j'ai cités, tu n'as absolument aucun contrôle. Tu dois simplement te concentrer, te focaliser, c'est-à-dire renouer tout le temps que tu as pour vraiment te concentrer vraiment à travailler et puis atteindre véritablement ton objectif de la semaine. Durant ces 7 jours de la semaine, vraiment, tu dois passer ton temps vraiment à améliorer vraiment ta liste, à augmenter vraiment tes présentations, à augmenter encore tes réunions d'équipe. Tu dois, pendant ces 7 jours, tu dois aussi augmenter vraiment ton temps pour écouter vraiment le message mes messages du mercredi. Doit augmenter vraiment ton temps vraiment à suivre vraiment Dato Vijay, à suivre Japadas Bismarck. Aussi, excusez-moi, mais il est insensé de véritablement accorder vraiment du temps à certains événements où vous n'avez pas contrôle, mais plutôt donner du temps vraiment au travail, à travailler pour aller véritablement au Vicon, pour évoluer vraiment dans cette activité. Donner du temps vraiment à motiver vraiment votre équipe à participer vraiment aux événements magiques que vraiment nous organisons, comme le Vicon. Vous savez, la raison pour laquelle QNET est après depuis le 25 ans, la raison pour laquelle Japadas Bismarck et Dato Vijay sont les plus grands leaders vraiment dans le domaine du network marketing. Ce n'est pas parce que on a 25 ans, ce n'est pas parce que ce sont de grands leaders,
Ce n'est pas parce qu'on a la meilleure vraiment stratégie. Cela est dû au fait que durant vraiment la création de cette entreprise, qu'aujourd'hui nous continuons à rencontrer vraiment les challenges et nous surmontons ces challenges pour vraiment évoluer. Sachez aussi que chaque nom nous rend fort. Aussi, chaque information négative sur les réseaux sociaux Google, de la part du gouvernement, toutes ces informations vraiment négatives, vraiment qui viennent un peu de partout, nous démontrent que est-ce que vraiment nous avons vraiment des rêves auxquels nous croyons. Vous savez, toutes ces informations, toutes ces négativités vraiment qui viennent vraiment nous montrer vraiment si on a des rêves, si vraiment on croit vraiment en ces rêves, si on est sérieux vraiment avec nos rêves, si nos rêves ne sont pas vraiment comparables vraiment à des patates. Tu sais, lorsque tu rencontres vraiment des challenges et que ton rêve n'est pas petit, que ton rêve est grand, vraiment tu n'abandonnes pas, vraiment tu ne quittes pas le système. Vous savez, les challenges sont aussi un indicateur pour savoir quels sont les leaders qui vont rester vraiment dans ton organisation. Vous savez aussi, les gars, les challenges vous montrent vraiment les vrais leaders de votre organisation. Aussi, il y a certains qui disent, ah, je suis avec toi, je vais mourir avec toi, je suis avec Dato, je suis loyal à Dato, mais il suffit qu'un challenge arrive, ils sont partis. Vous savez, j'ai une gratitude infinie depuis ces 25 ans dans cette activité. Vous savez aussi, durant aussi ces périodes de challenge, nous avons vu réellement les vrais leaders, ceux qui sont vraiment loyaux, vraiment à Datovic. Nous avons vu aussi des gens qui ont eu des 500 $ par semaine qui ont fui. Par contre, il y a d'autres qui avaient 0 $, mais qui sont restés avec nous jusqu'à aujourd'hui. Aussi, il faut savoir que tous ces vie partners, tous ces MVP, tous ces vie conseils, tous ces vie élites ont mérité parce que c'est des gens qui ont tracé vraiment ces challenges jusqu'à aujourd'hui. Raison pour laquelle ils sont toujours avec nous. Ils sont loyaux vraiment à Datovidier. Ils sont loyaux vraiment au système. C'est pour ça que nous continuons vraiment d'avancer. Vous savez, la vraie loyauté se démontre durant les challenges. Lorsqu'une personne rencontre vraiment un challenge, elle prouve vraiment sa loyauté envers vous. Vous savez, les différents challenges que nous rencontrons, les différents challenges que je dirais, notre créateur vraiment nous fait rencontrer, c'est des challenges que nous pouvons vraiment surmonter. Ne soyons pas vraiment stupides pour dire que ces challenges, vraiment, nous ne pouvons pas. Nous avons la capacité vraiment de surmonter ces challenges que nous rencontrons. C'est pourquoi ces challenges sont devant nous, pardon. Ces challenges sont devant nous parce que nous avons cette capacité de pouvoir les surmonter. Excusez-moi, mais je pense que lorsque les challenges arrivent, que vous devez fuir, c'est que vous n'êtes pas sérieux avec votre voyage pour la liberté financière. C'est que vous n'êtes pas sérieux vraiment avec vous-même. C'est que vous n'êtes pas sérieux vraiment avec le système. Vous n'êtes pas sérieux vraiment envers moi, votre chef. Vous n'êtes pas sérieux aussi envers aussi Japadas, Bismarck et Dato Vidje. Hé les gars, excusez-moi, mais qui vous a dit que durant vraiment ce voyage-là, vous n'allez pas rencontrer de challenge? Sérieusement. Vous savez, vous rencontrez ce business avec zéro potentiel et ce business, ça vous fabrique pour que vous ayez vraiment un grand potentiel. C'est sûr que vous allez rencontrer des challenges parce que ce que vous voulez réaliser vraiment est grand. Avec ce business, un jour, vous aurez vraiment des millions dans vos comptes. Laissez-moi vous dire que ce business va vous permettre vraiment de pouvoir communiquer, parler à plus de 100 personnes. Et les gars, soyez sûrs d'une chose, vous allez rencontrer des challenges. Aussi, tous les challenges vraiment qui arrivent dans vos vies, vous n'avez pas le contrôle de ça. Sachez que les challenges viendront toujours dans vos vies. Vous n'avez pas le contrôle. Mais vous allez vous armer vraiment de courage, de volonté vraiment pour les braver puis continuer vraiment ce voyage-là. Aussi, il faut savoir que les challenges seront là, que vous devez vraiment mener vraiment un combat dur, vraiment pour pouvoir vraiment réaliser vraiment vos rêves. Les gars, soyez sûrs que vous allez mener vraiment un combat dur pour pouvoir réaliser vos rêves. Et les gars, réveillez-vous. Les hommes et les femmes d'affaires, réveillez-vous. Grandissez et avancez. Rencontrez les challenges. Surpasser les challenges. Affronter les challenges. Aussi, il faut savoir que les challenges, il y a des grands hommes avant vous, comme Datovidje, comme Steve Jobs. Vous savez,
tous ces grands hommes que vraiment je viens de vous citer leur nom ont tous rencontré vraiment des challenges. C'est ce qui a fait de grands hommes et de grandes femmes. Pour avoir vraiment une vie merveilleuse, une vie vraiment remplie de choses qu'on désire de tout cœur, c'est absolument inévitable que tu ne rencontres pas les challenges. Pour avoir une telle vie, c'est normal que vraiment tu rencontres les challenges. Pour que vraiment tu obtiennes vraiment cette meilleure vie, chaque challenge, chaque obstacle, chaque difficulté que tu auras rencontrée fera de toi un meilleur homme, fera de toi une meilleure femme. Donc, il faut surmonter les challenges, il faut combattre les challenges et avancer et puis gagner. Quand tu te poses la question, pourquoi j'ai des challenges dans ta vie? Je te réponds, les challenges sont nécessaires pour que vraiment tu mènes le combat pour que ta vie soit vraiment meilleure. Les challenges sont les réelles raisons qui montrent que tu es sérieux avec ton rêve, que tu es sérieux vraiment pour que ton engagement est sérieux envers ton objectif. Tu dois aimer les challenges, tu dois te sentir bien avec les challenges. C'est seulement à cela que tu vas apprécier la qualité de ta vie. Laisse-moi te garantir une chose. Durant ton voyage pour la liberté financière, tu vas rencontrer des challenges. Ça, c'est une garantie, c'est absolu. Il faut que tu garantisses absolument que tu vas rencontrer des challenges. Mais aussi, tu vas aussi te battre, tu vas aussi lutter vraiment pour pouvoir surmonter ces challenges-là pour atteindre ton objectif. Aussi, chaque challenge que tu dépasses, que tu combats vraiment, montre aussi la qualité de guerrier que tu es. Aussi, réjouis-toi lorsque tu passes un challenge. Dis, je m'en fous, j'aime ça. C'est la raison pour laquelle tu vis, c'est la raison pour laquelle ta vie sera construite pour une meilleure visite. Je vous aime.